Alléluia. Faites attention. Amen. Faites attention. Il y a quelque chose que j'ai vu sur un artiste camerounais. Amen. Ma fille va couper cette prophétie-ci. Alléluia. Il y a un artiste camerounais, alléluia, au nom de Petit Pays. C'est un artiste que, bon, avant, quand j'étais dans le monde, alléluia, j'écoutais ses chansons, mais quand j'ai cru, j'ai abandonné, alléluia. Et dans l'esprit, Dieu m'a montré quelque chose sur cet artiste. Je parle de Petit Pays. Je t'ai vu, c'est un artiste camerounais. Je t'ai vu dans le couloir de la mort. Dieu m'a donné la vision là hier. Je sais pas si c'est hier. Je t'ai vu dans le couloir de la mort. Écoute-moi bien. Je parle de cet artiste camerounais Petit Pays. Je t'ai vu dans le couloir de la mort. Et dans l'esprit, pendant que j'étais en train de te voir dans le couloir de la mort, j'ai vu tout était sombre. Alléluia, tout était sombre. Et tu étais en train d'avancer. Tu marchais, mais dans l'obscurité, dans le couloir de la mort. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de venir contre toi, comme la mort. Parce que je t'ai vu dans le couloir de la mort. Dans le couloir de la mort. Moi, je vous parle devant le Saint-Esprit. Je parle de Petit Pays. Je t'ai vu dans le couloir de la mort. Parce que vous savez que ces personnes, parfois, quand on parle, on donne les prophéties. Parfois, ils ne croient pas. Et le malheur vient et après, c'est le deuil. Je t'ai vu dans le couloir de la mort. Et le couloir de la mort que j'étais vu ici, je ne t'ai pas vu mourir pour aller au ciel, mais je t'ai vu mourir pour descendre en enfer. Écoute-moi bien. Je t'ai vu mourir pour descendre en enfer, pas pour aller au ciel. Le couloir de la mort que je te vois là, tu es en train d'avancer là-bas tout doucement. J'ai vu ça clairement dans l'esprit. Tu avances là-bas tout doucement, dans ce couloir, dans cette ombre. Tu avances tout doucement. Et dans l'esprit, j'ai vu tes danseuses. Alléluia, je ne les connais pas. Mais dans l'esprit, Dieu m'a dit que ce sont tes danseuses. Et les danseuses ici, ce sont des personnes que tu entraînes dans la perdition avec toi. Est-ce que tu comprends? Les danseuses ici que j'ai vues, j'ai demandé à Dieu c'est qui. Dieu m'a dit ce sont tes danseuses. Et je les ai vues dans des cabarets. Et Dieu m'a dit ce sont des filles que tu entraînes dans la perdition avec toi. Et dans l'esprit, je voyais l'une de tes danseuses en train de se plaindre de toi, en train de t'accuser. C'est-à-dire que la plupart des gens que là, je vous dis la vérité, si vous ne vous repentez pas et changez, si vous vous retrouvez dans la position, dans ce que j'ai vu là, si vous ne demandez pas la miséricorde de Dieu et abandonnez vraiment la musique mondaine là, quand je dis abandonner, c'est vraiment quitter dans ça. Je vous dis devant l'Esprit de Dieu, vous n'allez jamais voir Dieu. Si vous voulez vous croire, comme nous on est jeunes, qu'on parle parfois, les gens croient que c'est l'amusement. Moi, je vous dis devant le Saint-Esprit, je parle à l'artiste Petit Pays. Alléluia. Je parle à l'artiste, j'ai parlé de toi, je ne sais pas à qui j'ai donné cette prophétie. Alléluia. Mais j'ai appris que tu as cru, tu es dans le Seigneur. Mais cependant, toi, tu es sur la terre, tu te dis que tu es dans le Seigneur. Tu te dis que tu sais Dieu. Mais je t'ai vu dans le couloir de la mort. Et je t'ai vu aller du côté de la géhenne. Alléluia. Le couloir de la mort où je t'ai vu, ce n'était pas pour entrer au ciel, mais c'était pour aller dans le feu de la géhenne. Mais cependant, tu dis que tu sais Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais dans l'esprit, ce n'est pas le cas. Que la personne qui te suive, si la personne est honnête, je vous dis devant le Saint-Esprit, si ton père spirituel, toi petit pays, tu dis que tu es enfant de Dieu, alléluia, si ton père spirituel, je vous dis la vérité, s'il est sérieux, s'il est vrai sérieux avec Dieu, et qui voit les choses dans l'esprit, qu'ils te disent la vérité sur ce que je dis. Je t'ai vu dans le couloir de la mort, et je t'ai vu aller dans la géhenne. Et j'ai vu tes danseuses se plaindre de toi, t'accuser. Parce qu'à cause de toi, tes danseuses se sont retrouvées dans le même chemin, dans le chemin de la perdition. Tes danseuses. Et dans la vision, elles étaient en train de t'accuser. Elles lançaient des accusations contre toi. Alléluia. Contre toi. Parce que toi, tu les entraînais dans la perdition. Amen. Donc, ma prière est que Dieu touche ton cœur, que tu te repentes après avoir écouté cette prophétie et que tu abandonnes parce que je vais te donner en tant que prophète la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu pour toi dans ta vie, c'est que tu abandonnes complètement la musique mondaine. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que rien de souillé ne doit entrer au ciel. Que tu abandonnes les clips que tu tournes avec les filles nues et tu dis que tu es enfant de Dieu.
je te dis devant l'Esprit de Dieu, si la prophétie s'accomplit et que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu vas souffrir, ton âme va souffrir au ciel, en enfer. Ton âme va souffrir en enfer. Je te dis la vérité. Et tu n'entreras pas au ciel. J'ai vu ça clairement dans l'esprit. Tout dans l'ombre, tout dans l'ombre. Et je t'ai vu dans ce couloir de la mort. Et je t'ai vu aller, alléluia, par le chemin de la perdition. Donc, ça c'est une prophétie pour l'artiste camerounais, petit pays. Alléluia. Donc, moi, tout ce que j'ai à te dire en tant que prophète, humilie-toi devant Dieu, prie, crie à Dieu et abandonne la musique mondaine. Parce que tu pries Dieu et tu continues à aller chanter dans les cabarets, tu continues à aller chanter dans les boîtes de nuit, tu continues à aller chanter les musiques mondaines dans les mariages et toutes ces choses-là, je te dis la vérité, la prophétie, si ça s'accomplit, tu n'entreras pas au ciel. J'ai vu ça clairement dans l'esprit. Et j'ai vu tes danseuses te suivre dans la même perdition. Et une fois dans cet obstacle-là, une fois dans ces choses-là, je les ai vues t'accuser que c'est à cause de toi. Alléluia. C'est à cause de toi. C'est toi qui les as conduits dans ce mauvais chemin. Alléluia. Donc, vraiment, il faut te repentir. Voilà la prophétie que j'ai donnée. Dieu m'est témoin. Et Dieu m'a dit, quand je donne une prophétie, va, tu parles et ne réponds pas aux commentaires. C'est-à-dire que même si, quand je donne une prophétie, même si c'est qui se lève pour commenter contre la prophétie, je ne réponds pas. Je vous laisse dans vos erreurs. Je vous laisse dans ça, tout en priant quand même que Dieu vous aide.